Salut les mouettes! Aujourd'hui c'est mercredi 15 février. Donc vous pouvez voir, je suis toujours dans le Scania, toujours en France. L'immigration prend un peu de retard, je devais partir mi-janvier. Et du coup il y a eu des changements de loi l'année dernière au Canada et du coup ça repousse un peu l'immigration, ils sont un peu à la ramasse là, à l'immigration canadienne. Après ça avance, hein, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais bon c'est comme ça. Hein. Je pense que je partirai avril, j'espère avril. Peut-être avant, mais ça m'étonnerait. Alors, en attendant, voilà, je continue quand même à faire quelques petites vidéos. Aujourd'hui on est du côté d'Égletton. On va charger de la grume de Douglas, la grume de 13-14 mètres à peu près. Je suis avec mon collègue là qui est en plateau et là on va rejoindre l'acheteur de bois là qui nous rejoint au PA je crois avec le ton. Et puis il va m'emmener sur le chantier. Donc je vais me charger moi et je vais devoir aller un petit peu plus loin pour transvider ça dans le plateau. Parce qu'on ne peut pas charger directement en double côte à côte quoi. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous filmer ça, faire une petite vidéo pas trop longue quoi, parce que c'est vrai que les vidéos généralement sont assez longues. Donc voilà quoi. Bon, hey, je vous dis à tout à l'heure les mouettes.
Bon, bah ça y est, les mouettes, c'est chargé. Il n'y a plus qu'à repartir. Donc, c'est mon collègue qui a filmé pendant que je chargeais tout à l'heure. Je vous ai pas filmé mon chargement parce que, bon, bah, vous m'avez vu charger une fois et j'ai transvidé après. Donc là, c'est reparti. Je vais peut-être vous mettre un petit bout de route. Parce que vous allez voir, c'est une petite route, il y a des déviations en plus, apparemment. Hop là, je coupe. Hop. Je vire ça. Et je vais vous placer sur la route. Hop. Là, c'est dans le bon sens. Ouais, ça a été vite, on a été ouais, 3/4 d'heure sur place. Un bon chantier, nickel, franchement. Là, ouais, je vous filme un petit bout de route là, jusqu'à ce que je reprenne l'autoroute et puis je vous laisserai après, hein. Ah, puis il fait beau, c'est cool, quoi. Il fait beau, il fait 13 degrés là. Ah, franchement, c'est cool. Le petit jeune là, l'acheteur de bois, en fait c'est le stagiaire de l'acheteur de bois qui est venu nous récupérer à l'autoroute là, parce que le village où on a chargé, apparemment il y a des travaux, déviation poids lourd, tout ça, donc il est venu nous chercher, au moins c'est plus simple. Et franchement très gentil, très très cool. Ça faisait longtemps que j'avais fait de la grume de Douglas comme ça. À charger, c'est le top. Ça va vite. Après, j'ai des petits soucis sur ma grue. Là, j'ai un vérin de béquille là, qui fuit depuis un petit moment déjà. C'est pas une grosse fuite, mais dès que je force un peu dessus, je sais pas si vous avez vu sur les vidéos, je sais pas si ça se voit. Ça fait un petit nuage de fumée. En fait, c'est la pression d'huile quoi, qui fait ça. Du coup, ça me rend mon camion tout dégueulasse. Déjà qu'il n'est pas très propre, je ne suis pas rentré avec le week-end dernier au dépôt. Et puis il y a 15 jours, il y a un Polonais qui m'a refait tout le côté gauche. Là. On était sur un parking d'un resto routier. Et puis bah, sauf que bah, lui, il s'est fait virer du parking parce que bah, il ne venait pas manger au resto. Donc il s'est fait virer du parking. Et en sortant, bah, il m'a arraché tout le côté là. Tout le contour de roue, la portière, le rétro. C'est pas grand chose, mais quand même, c'est bien cassé. Quoi. Et heureusement, il y avait un chauffeur qui était en train de se garer sur le parking, qui l'a vu faire. Du coup, la patronne du restaurant est sortie, elle a été voir. Et puis, bah, elle est venue me chercher. Quoi. Elle me dit bah, attends, il y a un mec, un Polonais, là, qui a. Enfin, c'était un Lituanien. Enfin, non, même pas. Le camion était lituanien. La remorque polonaise et le chauffeur ukrainien. Donc, pour faire le constat, je vous explique pas. C'était bien compliqué. Mais bon, après le gars était relativement cool. Donc là, ils vont me refaire ça, ils attendent les papiers d'assurance, tout ça. Et puis de toute façon, je suis en FCO là. Je suis en FCO dans 15 jours. Donc ils auront toute une semaine pour me réparer ça. Ça va être cool. Ah, je suis obligé de repasser ma FCO parce que bah normalement j'aurais dû être parti avant, mais je repasse quand même. Faire une petite semaine à l'école. Personne grimpe là dans le coin. Ah, on est en Corrèze là. On a chargé à Airain exactement, c'est en dessous Égletton. Venir par là. Et là, quand il fait beau comme ça, c'est le top. Ouais. Regardez ça, comment c'est joli là. Ah, je suis désolé, ça faisait longtemps que j'avais pas refait de vidéo, un petit moment, 2-3 mois peut-être, 2 mois.
Je n'ai pas beaucoup de sujets. Donc, bah, d'ailleurs, si vous avez des sujets à me suggérer, ce serait pas mal. Parce que c'est pas évident toujours, parce que le métier de grumier, ça reste relativement pareil. Hein, chargement, déchargement. Les chantiers changent bien sûr tous les jours, mais. Puis c'est long de vous filmer un chargement en entier, donc. Puis j'ai pas encore investi dans la GoPro. Je vais attendre le Canada avant d'investir là. Si j'ai mon pote Lulu là, il m'a offert à Noël. Ah, je sais pas comment on appelle ça, c'est un stabilisateur là. On pose le téléphone dessus et hop, ça stabilise tout, c'est top ça. Je l'ai pas encore utilisé pour faire des vidéos, puis là je voulais pas le filer à mon collègue là qui a filmé aujourd'hui. Ah, parce qu'il connaît peut-être pas comment ça fonctionne, donc j'avais pas trop le temps de lui expliquer. Là, nous on a chargé tous les deux, mais vous voyez, on est parti. Il y a un autre premier qui arrivait pour charger notre boîte, la Transbois. Je l'ai déjà vu. Les bons gars aussi. La remorque à fond, ça dépasse derrière, ça dépasse de 2 mètres à peu près. Mais quand il y a des petits virages comme ça, il vaut mieux pas trop allonger. De toute façon, on a le droit à 3 mètres hein, en grume. Quand c'est de la matière indivisible, on a le droit à 3 mètres à l'arrière. Sinon, c'est 1 mètre. Quand c'est du divisible. Les gars, je vais couper là parce que je suis bloqué là. Bon, j'ai réussi à m'en sortir. Ah, c'était tendu là. Et vous voyez, heureusement, j'ai pas allongé à fond. Bah, c'est bien fait, je crois. C'est un peu ça des fois. Hein. Mon collègue a dû prendre par une autre route lui parce que. Thank you.
c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Ah putain, c'était la galère là, je pouvais pas tourner à gauche là, il y avait des petits poteaux là devant la mairie là, la petite mairie ou l'école, je crois, dans ce que c'était. Et du coup, bah je pouvais pas tourner à gauche, alors bah, comme vous avez vu, j'ai reculé, j'ai pris à droite et j'ai fait demi-tour plus loin. Puis bah là c'est bon, j'ai retrouvé ma route. Ah, je m'étais planté, j'avais pas vu la déviation en fait. Il y avait une déviation itinéraire conseillée pour poids lourd. Et puis bah j'avais pas vu. C'est ça, hein, quand on fait des vidéos et bah, du coup on n'est pas concentré. Bah bon, c'est pas grave. J'ai perdu 5 minutes. Donc là j'ai pu reprendre la bonne route. Du coup mon collègue Raymond, pas Raymond. Ah non, Raymond n'est plus là, Raymond. Petit Raymond, il a arrêté. Du coup, c'est mon collègue Dominique. Dominique, il se retrouve devant. Parce que lui, il l'a vu, le petit panneau. Itinéraire conseillé poids lourd. Et ouais, vous voyez, quand je vous dis, des fois, faut vraiment anticiper sa route pour savoir si on allonge la remorque ou pas. Et bah là, voilà. Les conneries qu'il faut pas faire. J'aurais dû regarder avant, j'aurais dû être un peu plus concentré. Ouais. Parce que j'aurais pu vraiment rester bloqué. Parce que si je pouvais pas tourner à droite, bah là, ça aurait été tendu. Ça aurait été vraiment tendu. Parce que les grumes là, chargement, il est pas passé très loin des maisons quand même. Bon bah allez, sur ce, moi j'ai plus qu'à remonter. Donc ouais, j'ai chargé là dans le 19 en Corrèze, là, Hérin, en dessous Égletton, et on monte livré à côté de Parthenay par là-bas dans le 79. Donc si tout va bien, on devrait y être ce soir, vidé ce soir, et puis demain on recharge du peuplier pour aller dans le non, 38, moi je sais plus, pour aller à Cousens, et après on rechargera de la grume d'acacia pour aller en Bretagne, et la semaine sera terminée. Voilà, voilà, bon allez les mouettes, j'arrive sur l'autoroute, il n'y aura plus grand chose d'intéressant là pour vous, donc bisette les mouettes.